Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va travailler un foie gras qui a été surgelé. Donc, si je comprends, c'est un foie gras qui a été congelé à moins 40 degrés. Donc, ce qu'on aime dire, c'est que le foie gras, en fait, il est plus frais que frais. Donc, je vais mettre le sel au début. Et puis, moi, j'ai tendance à vouloir poivrer à la fin, une fois que la pièce, elle est faite. Si on résume, il y a en premier lieu une coloration qui a été faite d'un côté. Et après, on retourne le foie gras et on enfourne directement. Le four est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. On a attendu 1 minute et demie à l'intérieur. Et ensuite, on lui a laissé un temps de repos d'au moins 2 minutes pour que la chaleur, la cuisson puisse s'homogénéiser partout dans le foie gras. Donc, bon appétit. Bon appétit. Craquant, hein? C'est ça.